Maman. Alors, je tenais à te dire que je suis extrêmement fière de toi, de savoir que tu es arrivée là où tu mérites d'être, de savoir que tu es enfin l'étoile la plus brillante au milieu du ciel. Oh là là. Et je t'aime, même si tu le sais, même si je suis un peu obligée parce que tu es ma maman, mais je t'aime vraiment et je pense que même si j'avais pas été ta fille, on se serait trouvés un jour ou l'autre, parce qu'on est fait pour être ensemble. Tu es ma meilleure amie, tu es ma conseillère, tu es mon ventricule gauche, tu es ma star préférée. Vraiment. Tu es ma personne préférée. Tu es la personne que je protégerai contre tous, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Tu seras toujours au-dessus, là. Tu es mon modèle, tu es mon inspiration, tu es. Si je peux atteindre ton niveau un jour, je serai très 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 fière de moi. Franchement, ce sera un honneur. Trop fière de toi, je suis trop contente. Je suis trop contente. Tu es très forte, maman. Tu es très courageuse, sache-le. Et peu importe ce que tu penses, tu as traversé des tempêtes incroyables. Et personne, personne pourra jamais savoir parce que tu gardes tout pour toi, je le sais bien. Mais sache que je suis là pour toi et que je surveille tes arrières. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. Parce que tu es la personne la plus importante de ma vie. Et mon combat, c'est toi d'abord. Je t'aime, maman. Bisous. Et oui, c'est ton foulard qui est sur ma tête, mais on peut éviter de faire le commentaire. C'est Maïmouna Ndiaye, à Abidjan, on dit elle n'a pas volé. C'est franchement transmission par ADN. Elle est super, elle est c'est éclatante. Mon ventricule gauche. Elle a sorti une phrase qui est pour moi assez symbolique. Elle a dit: maman, tu es forte. Tu as traversé une tempête, des tempêtes que personne ne peut imaginer. J'ai pas voulu écouter. Pourquoi vous répétez? Pourquoi vous verrez? Faut pas répéter. J'ai pas envie de repleurer une deuxième fois. Je suis quelqu'un de très émotif en fait. Et puis elle a dit qu'elle est prête à tout. Haya. Voilà un papa tout. On essaie d'appuyer. Allez, il ne nous reste plus que. Bon, on est fiers que. Déjà, on dit en général que nul n'est roi pour son valet de chambre. Si venant de votre fille, il y a de telles valeurs qui sont exprimées, c'est que vous êtes une grande femme, une grande dame. Franchement. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour l'exemple. Nous allons maintenant, et nous n'avons plus le choix, comme elle disait, j'ai pas le choix, tu es ma mère. Nous n'avons plus le choix, nous n'avons que la case 1 que vous allez découvrir.